voudrais dire quelques mots sur la beauté, parce qu'il y a un chapitre d'un petit bouquin qui s'appelle Le Guide des égarés de Jean d'Ormesson. Il y a un chapitre sur la beauté qui est magnifique. Donc je vais vous dire juste deux, trois mots sur la beauté. Il explique que la beauté. ne suffira sans doute pas à sauver le monde de la folie des hommes et de leur génie, mais que la beauté peut y contribuer. Je trouve que c'est déjà pas mal. Elle est dans l'œil qui regarde, dans l'oreille qui écoute, autant que dans l'objet observé. Ce qui rappelle Marcel Duchamp, qui accordait autant d'importance au regardeur qu'à l'œuvre. Donc vous voyez, vous avez beaucoup d'importance. Elle est liée à l'amour et promesse de bonheur. Bravo, ça. Alors, je voulais vous remercier tous d'être venus ce soir, ça fait vraiment plaisir. Bien sûr, remercier Philippe qui m'a invité, Anne-Christine, Isabelle, et puis surtout Philippe et Sophie. Philippe et Sophie, que je ne connaissais pas, que je découvre, qui nous invitent dans un lieu sublime, vraiment, je suis enchanté, j'ai rarement exposé dans de si bonnes conditions. Merci à mon travail. J'ai fait beaucoup de carnets de voyage et puis j'ai été très inspiré par le patrimoine local, architectural, notamment le peignage de l'Impossé parce qu'il y a très grands espaces, une belle lumière, des beaux matériaux du 19e. Donc j'étais un peu ancré dans le 19e siècle. Là, je suis content de renouer un petit peu avec le 20e siècle. Les lignes sont plus pures. Les contrastes sont forts et ils répondent bien à mes peintures. Dans mes peintures, il y a un petit personnage qui questionne à la fois le passé et le futur. Et voilà. Un grand merci pour votre présence, vos sourires, vos regards. Je vois que j'ai même des étudiants qui sont là, ça me fait très plaisir. Ah, les étudiants! Vive les étudiants! Je vais vous dire quand même que j'étais enseignant à l'ESSAT en design, que j'ai beaucoup enseigné l'histoire de l'art, et que donc c'était trois passions, c'était trois tours liées à mon métier. Et que j'ai le regret d'arrêter parce que je vais prendre ma retraite. J'ai fait durer 3 ans pour le plaisir, mais qu'à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Et place aux jeunes qui sont là. J'ai des anciens étudiants qui sont devenus enseignants d'ailleurs à l'ESSAT. Et ça fait très plaisir. Voilà. On veut les noms. Un grand merci de m'avoir invité et de nous avoir aussi bien accueillis. Un mot des céramistes. Voilà, voilà. Allez les femmes. Les céramistes, vous avez pu voir, nous sommes quand même assez différents. Et je trouve que c'est un lieu qui réunit tout, franchement, qui permet ça. Hein, c'est vrai, on n'est pas pareil. Vraiment. Et merci beaucoup à Philippe et à Sophie qui nous ont accueillis avec tant de bonne humeur depuis 2-3 jours, c'est un vrai régal. Merci au lieu. C'est bien de ne pas tous partir à la veille.